Dans ce chapitre de déterritorialisation, il va s'agir de sortir de notre histoire de l'art et de sortir de cette série d'épisodes. On attaque bientôt le 140e, c'est quand même. On va pas faire long feu. Et donc, nous allons réaliser une chose très difficile. Nous allons réfléchir à tout ce qui serait ailleurs. Grâce à une petite remarque sur ce qu'est la déterritorialisation de Gilles Deleuze. On n'est pas toujours d'accord avec lui quand on regarde son abécédaire, mais c'est vraiment une entrée. On lui donne un mot et puis il joue avec. Et ça va me donner l'occasion, puisque sortir de cette vision unique d'une histoire de l'art, on a vu que que ça disparaissait, qu'il n'y avait plus d'auteur, qu'il n'y avait plus d'œuvre vraiment, qu'il s'agissait plutôt du processus qui était en train de se mettre en place. Mais il y a quelque chose qui m'a intéressé simultanément, c'est quand on regarde ce qu'est le regardeur, vous avez compris que pour le rapport au modèle, pour le rapport à ce qui est montré, ce qui est caché aussi, pour le regard sur les femmes, l'art contemporain nous fait réfléchir souvent à ce qu'on est en train de voir. Et ce qui me sert de fond derrière et devant de Yayo Kusama, va nous permettre aussi non seulement de perdre tout repère sur ce qu'il s'agirait de regarder, de voir, mais aussi de me donner l'occasion, après avoir fait une critique de ce regard occidental très fermé, de me donner l'occasion de faire d'une flânerie à la fois au Congo, à la fois au Japon et à la fois un tout petit peu en Chine, mais la Chine, je le continuerai lundi, à la fois en Algérie. Pour voir que simplement, déjà j'en profite, il faudra que je leur dise plusieurs fois, je ne suis pas spécialiste de tout. Mais des spécialistes du général, on en manque, disait mon prof de philo, donc se lancer dans la généralité, c'est très très compliqué. C'est d'ailleurs ce que je vous raconte, c'est que la généralité, le grand langage universel, le grand récit d'une histoire commune n'existe plus, n'existe pas, il y a plein d'histoires. Et on atteint. Une exposition il y a peu de Beaubourg, modernité plurielle. Il n'y a pas une modernité, il n'y a pas un moderne. Et quant au Centre Pompidou, cette exposition est sortie. On a par exemple découvert, l'article le dit, hein, les révélations se bousculent dans cette exposition modernité plurielle. C'est-à-dire il y a plein de gens différents, de pays différents, qui, j'en ai déjà parlé, hein, sont par exemple cubistes dans les années 30 en Amérique du Sud. Et donc, dans une histoire de la modernité, être cubiste dans les années 30, c'est trop tard, mon vieux. Voilà. Au revoir. Et donc, cette idée d'une histoire de l'art par le nouveau, on l'a vraiment vu beaucoup, je crois, dans les épisodes de l'autre série, c'est cette idée de grand récit. Hans Belting avait dit, l'histoire de l'art est terminée en tant que grand récit. Ce que je voudrais regarder aujourd'hui, c'est que en piochant Algérie, Congo, Japon, par exemple, on a une façon par l'étranger, par quelque chose qui nous est totalement étranger, de questionner quel est notre regard occidental un peu normé. On va le voir avec quelque chose que j'ai montré dans un cours que je voudrais redire ici. C'est un bon article d'un géographe sur James Bond et sur sa vision. D'un monde un peu occidentalo-centré. Et la deuxième vertu, c'est que cette façon de picorer au Congo, au Japon ou en Algérie, sur lequel j'ai finalement peu de prise, je ne peux pas tout savoir. Alors, c'est pour ça que je me questionnais beaucoup. Est-ce qu'il faut, quand on ne sait pas, est-ce qu'il faut mieux se taire? C'est pas bête, oui. Mais est-ce que. Aborder le sujet et préciser qu'on ne sait pas suffit pas à avoir une bonne note, mais déjà une façon de questionner cette façon de regarder, et c'est le cœur de notre sujet. Voilà. Dans Modernité plurielle, vous allez comprendre ce que je veux expliquer là. Henri Valézy, Symphonie verte, peintre né en Algérie, mi-abstrait, mi-figuratif. En fait, les artistes qu'on va voir aujourd'hui, ils posent des problèmes si on devait les ranger dans le moderne ici, mais dans le contemporain aussi. C'est-à-dire, ils n'ont pas une pratique forcément qui est en phase avec ce qui se fait. Et nos amis de l'association Art sans fric questionnent même Art sans fric, c'est une astuce. Questionnent est-ce que la notion d'art contemporain est opérante pour des artistes d'aujourd'hui dans bien des domaines?
Et il s'agit de faire tout le parcours qu'on vient de mener pour comprendre que cette question de l'opérant n'est pas une remise en cause de l'art contemporain. Il est de dire que ça pourrait être une catégorie dans laquelle il y a de sorte des pôles d'attraction. J'ai parlé de réseaux sur toute cette série, voilà, des réseaux qui se croisent et qui font que certaines choses sont vues avec un regard contemporain. Voilà, Valési, si on regarde ce qu'il fait, c'est très impressionnant. On est plutôt, vous voyez, avant 1960, né en Algérie, mi-abstrait, mi-figuratif, mi-oriental, mi-occidental, pionnier du cinéma d'animation avec une salle consacrée. Voilà. Alors, on a perdu toutes nos catégories déjà quand on découvre Henri Valési. Vous pouvez trouver ça très, très beau. On est tenté, à chaque fois qu'on voit quelque chose de cet ordre-là, de le rattacher à... Est-ce que c'est de l'art abstrait? Ben oui et non. Est-ce que c'est intéressant? Oui, oui, oui. Est-ce que c'est rangeable par date? Non. Par pays non plus. Par filière inconnue. Voilà, un musée achète l'histoire de l'art, on n'a jamais fini de l'écrire, dit Michel Gautier. J'ai montré ces tableaux à des amis sans leur dire qui c'était. Ils ont cru qu'il s'agissait d'un jeune peintre français d'aujourd'hui. Voilà. Nos catégories d'histoire de l'art sont perdues, mais nos catégories de date aussi sont perdues. Alors, on ne sait plus quoi faire. Une exposition comme une leçon de relativisme du Japon au Pérou. Un musée achète beaucoup en fonction de l'évolution du goût. Les modes changent. Des peintres sont délaissés. Le fait qu'ils redeviennent intéressants est réjouissant. Et finalement, pour une question qu'on m'avait posée, c'est ce qui fait que cette quête, cette découverte, cette retrouvaille, ben on peut mourir reconnu et redisparaître. On va en regarder à nouveau quand je parle. On peut ne pas coller à l'époque dans laquelle vous êtes, ou au contraire beaucoup la questionner et de ce point de vue-là, être daté assez vite. Il me semble que j'ai parlé rapidement de Charles Maton et hier on a vu une image où il faisait ses maquettes comme des décors de cinéma qu'il reconstituait complètement et qu'il prenait en photo. Donc on est complètement dans une sorte de simulation. On peut voir ces maquettes qui ont été exposées il n'y a pas très longtemps dans le Diorama, l'exposition au Palais de Tokyo. Et c'est très daté, années 80. Mais le travail photographique de Thomas Demande, l'Allemand, est exactement dans ce que faisait Charles Maton dans les années 80. Et les mettre côte à côte est un sujet passionnant. On peut avoir une espèce de relecture continuelle, c'est ce qui fait que l'histoire de l'art, ben, ça ne s'arrête jamais. Donc, modernité plurielle, c'est un bon jeu de mots, de le mettre au pluriel le mot lui-même. Et mon sujet du jour, c'est aussi, je l'avais déjà abordé au moment de Gauguin, au moment de la Harlem Renaissance de l'art africain, de l'art afro-américain, du Congo et de ce livre de Lionel Richard qui s'intéresse au mot exotisme. Et comme je suis parti de ça à partir du travail de Jean-Michel Basquiat, je voulais aller jusqu'au bout avec quelques mots qui viennent de ce livre, qui est une petite merveille, hein, d'étudier ce que veut dire le mot exotisme et de voir comment il est devenu tout doucement les arts lointains. Et comment cette question, effectivement, de l'origine de celui qui peint, de l'ignorance qu'on a de ce qu'il veut dire, de ce regard curieux qui peut être considéré comme une bête curieuse et qui, avec le temps, va devenir autre, même s'il est bienveillant. Voilà, les arts premiers, ce n'est pas les arts primitifs, on voit bien le glissement, mais c'est encore, j'en faisais une petite critique, une façon de ranger tout le monde dans la même boîte. Et j'en finis parce qu'il faut toujours faire ça quand on est un philosophe qui a ses bases. Il faut toujours questionner ce qu'on est en train de raconter soi-même. En picorant Japon, Congo, Algérie, je fais moi-même une sorte de grand mix. Et donc ça relance la question de... Il faut regarder chaque chose dans son contexte et en le comparant avec des choses alentour. Mais en questionnant, c'est ça que je voudrais faire aujourd'hui. D'abord, qui regarde en fait? D'où je regarde? Comme les philosophes s'amusent à dire souvent « d'où je parle ». Ce mot « exotisme », il vient du 19e siècle, en fait. C'est Victor Segalen qui parle à propos d'exotisme, d'esthétique du divers. Voilà, ça, c'est une très belle formule, parce que esthétique du divers, ça veut dire tout ce qui n'est pas moi ou tout ce qui n'est pas rangeable dans quelque chose, c'est exotique. Ce qui est une assez jolie définition et qui indique bien qu'on va se régaler
et qu'en même temps, on va un peu mélanger tout le monde et n'importe qui. Et donc, si on veut aller plus loin, il faudra qu'on sorte du divers pour le nommer. Et évidemment, ce regard divers a été lié à l'anthropologie, à l'ethnographie, à l'histoire de l'art, à l'histoire des idées, c'est-à-dire une façon de considérer d'abord comme de l'art ce que faisaient les pays africains, par exemple, de le qualifier d'art nègre, de comprendre que c'est une grande enveloppe dans laquelle on ne peut pas enfermer tout le monde, de petit à petit, avec l'ethnographie, commencer à regarder plus précisément tout ceci, et puis donc de le faire glisser, on est encore dedans, de la partie sociale, historique, ethnologique, avec Griot, dans les années 30, vers un regard esthétique, mais ce regard esthétique, il est lui-même une sorte de complexité pour savoir d'où vient ces formes, d'où viennent ces objets, et surtout, peut-être, est-ce que c'est de l'art, en fait? Et nous voilà au cœur de notre question contemporaine, c'est-à-dire questionner des pratiques, questionner des images, c'est une façon de questionner qui regarde. Voilà ce que rappelle Lionel Richard, c'est se colleter avec l'exotisme, c'est entrouvrir une porte sur 5 siècles d'évolution sociale culturelle de l'Occident. Et donc, j'en prends quelques petits bouts. Voilà, il a fait un essai sur l'exotisme, Victor Ségalen, si vous avez l'occasion, c'est une petite merveille. Un attrait de l'inédit. Et donc, on comprend que les artistes se sont intéressés. Gauguin le premier, on peut tout à fait y voir un regard. Alors, la différence raciale, elle est facile à qualifier, en fait, elle est quand il y a supériorité. Et même quand on le montre d'une façon assez jolie, il y a quelque chose de la classification. Et c'est ça qu'il faut questionner. Non pas pour dire qu'on s'est trompé, mais pour aussi continuellement regarder comment on regarde. Voilà, la photographie, à partir de 1865, cette idée d'exotisme avec Pierre Loti et Paul Gauguin en Polynésie, avec Fromentin juste en 63 avec Dominique, le paysage exotique d'une année dans le Sahel. On en voit même des beaux Narcisse Bercher au musée des Tempes, dans lesquels il mélange d'ailleurs le Sahel et Étampes. C'est le meilleur des mix. Il faudra que des artistes venant du Sahel dessinent Étampes, on aura bouclé la boucle. Voilà, André Ruyters, l'exotisme, c'est notre songerie longuement penchée au-dessus d'un atlas, voilà, notamment quand on ne sait pas ce que c'est. Ivresse intérieure, sentimentale, sensuelle. Et Pascal Blanchard, l'historien qui s'intéresse beaucoup à la question noire en France, qui a fait un livre très, très important, très impressionnant récemment sur sexe et colonisation, c'est-à-dire comment la prostitution, l'utilisation des corps pour le travail ou pour le sexe était aussi dans les images. Voilà. Qu'est-ce qui est précisé enfin par Lionel Richard? Désir de vagues horizons inconnus, un sentiment diffus d'insatisfaction, des représentations pittoresques de l'imagination à travers les livres et les images. De l'imagination, il nous en faut toujours, donc on vote pour. Mais dans l'esprit du rêveur, la fixation de sa propre zone d'ancrage avec des attaches émotionnelles. Les objets exotiques qui témoignaient de la vie des populations d'outre-mer, arrivés dans les ports européens, sont apparus comme des curiosités. Des amateurs se sont mis à collectionner ces broutilles, puis émerge clairement 3 siècles plus tard, le mot exotisme qui n'apparaît qu'en 1845. Et la fin de cette introduction, dans l'Occident aux connaissances avancées, la révélation de communautés humaines radicalement différentes, voilà, c'est bien ça qui va nous intéresser, et qui fait que ce pas de côté de l'art contemporain va se retrouver chez des artistes, mais chez des artistes, Kusamai en est un bon exemple, qui est japonaise, mais dans lequel la japonité, si je peux dire ça comme ça, est questionnée, c'est-à-dire est-ce que c'est très important de savoir ça? Par contre, ce pas de côté par quelque chose d'étrange ou d'étranger explique son manque de succès américain, mais explique la pertinence que ça peut avoir pour nous à examiner. Le mystère des lointains s'agrège à la différence pour que soit baptisé exotique, cette étrangeté jusque-là qui n'avait pas de nom. Ce n'était pas exotique avant. C'est aussi pour rappeler que la relecture des mots n'est pas qu'une question de politiquement correct actuel. Les mots, ils ont un temps et ils viennent d'avant ailleurs. Et à un moment donné, ils nomment quelque chose et puis après, on passe à autre chose.
Voilà, toujours existent les réalités avant les mots et qui sont définies par les mots. Il y a toujours une interaction de l'un et l'autre. Les premières communautés humaines, les imaginations des peuples, ont été sans cesse pénétrées de fantaisies et rêveries sur les mœurs de leurs semblables aussi bien voisins qu'éloignés. Ces dépaysements, et on va garder le mot, inspirés, transparaissent dans les mythes de fondation. Et longtemps, pourtant, aucun vocable désignant l'exotisme ne fut inventé, en quelque langue que ce soit. C'est quand même redoutable de voir que. Et ça permet, dans un autre livre tout à fait passionnant de Lionel Richard, de regarder le rapport à l'Afrique de l'expressionnisme allemand. Si vous avez l'occasion, voilà, parce que la formule est très belle de Victor Segalen, le divers décroît, là est le grand danger terrestre. Il dit justement pas qu'il faut se priver, alors pas d'exotisme, mais du divers et de autre. Plus on va vers ça, plus on s'enferme et plus on se sclérose. Piste intéressante. On va écouter un instant ce que signifie pour Gilles Deleuze. Il parle dans un. Son abécédaire, c'est donc une formule vidéo qui est enregistrée après sa mort. On lui donne un mot, Claire Parnet, et puis il réagit. Abécédaire, tu m'as prévenu des thèmes, et là je ne sais pas exactement les questions, si bien que moi j'ai pu réfléchir un peu au thème. Répondre à une question sans avoir un peu réfléchi, ben c'est pour moi quelque chose d'inconcevable, quoi. Qui me fascine, moi, complètement. Le mot A, c'est animal. C'est les affaires de territoire. Et avec Félix, on a fait vraiment un concept de. Presque un concept philosophique avec l'idée de territoire. C'est les animaux à territoire, il y a des animaux sans territoire, bon, mais les animaux à territoire, c'est prodigieux. Parce que. Il va parler de nous aussi, hein. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'avoir un monde, qu'est-ce que c'est qu'avoir un territoire, mais la comparaison animale est vraiment pertinente pour comprendre ce qu'il veut dire par déterritorialisation. Constituer un territoire. Pour moi, c'est presque la naissance de l'art. Quand on voit comment un animal marque son territoire, tout le monde sait, tout le monde invoque toujours là, les histoires de glandes anales, d'urine, avec lesquelles il marque les frontières de son territoire. Mais ça dépasse beaucoup ça, quoi. Ce qui intervient dans le marquage d'un territoire, c'est aussi une série de postures. Par exemple, se baisser, se lever. Une série de couleurs. Les drilles, par exemple. Les couleurs des fesses des drilles, hein, qu'ils manifestent à la frontière du territoire. Couleurs, chants, postures. Hein. C'est les trois déterminations de l'art. Je veux dire, la couleur, les lignes. Les postures animales sont parfois de véritables lignes. Hein. Couleurs, lignes, chants. Mais pour parler. C'est l'art à l'état pur. Et alors, moi je me dis, quand ils sortent de leur territoire, ou quand ils reviennent dans leur territoire, leur comportement, le territoire, c'est le domaine de l'avoir. Or, c'est très curieux que ce soit dans l'avoir, c'est-à-dire mes propriétés, là. Mes propriétés à la manière de Beckett ou à la manière de Michaud, quoi. Le territoire, c'est les propriétés de l'animal. Et sortir du territoire, bon, c'est s'aventurer. Il y a des bêtes, hein, qui reconnaissent leurs conjoints. Ils le reconnaissent dans le territoire, mais ils ne le reconnaissent pas hors du territoire. Tout ça, c'est des merveilles. Je ne sais plus quel oiseau. Bon, je ne sais plus. Faut me croire. Hein. Et puis, alors, avec Félix, je sors du coup de l'animal. Je pose tout de suite un problème philosophique, parce que. On mélange un peu tout hein, dans l'abécédaire. Je me dis, on reproche parfois aux philosophes de créer des mots barbares. Mais moi, mets-toi à ma place. Pour des raisons données, je tiens à réfléchir à cette notion de territoire. Et je me dis, le territoire me vaut par rapport à un mouvement par lequel on en sort. Faut donc réunir ça. J'ai besoin d'un mot en apparence barbare. Dès lors, avec Félix, on a construit un concept que j'aime beaucoup, qui est celui de déterritorialisation. On nous dit là-dessus, c'est un mot dur à dire. C'est vrai.
Et puis, qu'est-ce que ça veut dire? Quel besoin, ça? Là, c'est un très beau cas où un concept philosophique ne peut être désigné que par un mot qui n'existe pas encore. Même si l'on découvre ensuite que dans d'autres langues, il y avait l'équivalent. Par exemple, ensuite, je me suis aperçu que dans Melville, revenait tout le temps le mot « outlandish ». Et « outlandish », enfin, je prononce mal, tu corriges-le toi-même, « outlandish », c'est exactement le « déterritorialisé ». C'est mot à mot. Alors, je me dis, pour la philosophie, avant de revenir aux animaux, pour la philosophie, c'est très frappant. C'est très frappant. On a parfois besoin d'inventer un mot comme « barbare » pour rendre compte d'une notion à prétention nouvelle. La notion à prétention nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de territoire. Sans un vecteur de sortie du territoire, il n'y a pas de sortie du territoire, c'est-à-dire de déterritorialisation, sans en même temps un effort pour se reterritorialiser ailleurs, sur autre chose. Bon. Donc tout ça, ça joue chez les animaux. C'est ça qui me fascine. Ce qui me fascine en gros, c'est tout le domaine des signes. Les animaux émettent des signes. Ils ne cessent pas d'émettre des signes. Ils produisent des signes, c'est-à-dire au double sens, ils réagissent à des signes. Par exemple, une araignée, bon, tout ce qui touche sa toile, elle ne réagit pas à n'importe quoi. Non. Elle réagit à des signes et il laisse des signes, il produit des signes. Par exemple, les fameux signes, est-ce que c'est un signe de loup, ça? Est-ce que c'est un loup? Est-ce que c'est autre chose? J'admire énormément les gens qui savent reconnaître, par exemple, les chasseurs, les vrais chasseurs, pas les chasseurs de société de chasse, mais les vrais chasseurs qui savent reconnaître l'animal qui est passé par là. À ce moment-là, ils sont animal. À ce moment-là, ils ont avec l'animal un rapport animal. C'est ça, avoir un rapport animal avec l'animal. C'est formidable. La comparaison, et je vais le laisser terminer juste après, c'est ce rapport de signes, c'est-à-dire des animaux qui jouent les uns par rapport aux autres, qui se mesurent, qui se sniffent, qui se méfient. Il va parler d'être aux aguets, il fait la comparaison continuellement avec l'art, et on pourrait élargir avec la culture, c'est-à-dire la zone à laquelle j'appartiens. Et il n'y a une zone à laquelle j'appartiens que parce qu'il y a une limite à cette zone. Et l'aventure d'aller hors de cette zone, puisqu'il s'amuse à préciser qu'il y a des animaux qui, sortis de leur zone, ne reconnaissent pas les mêmes choses, ne reconnaissent pas les signes, en fait. C'est là où notre quête sur plusieurs jours va être, en allant voir autre chose, de voir jusqu'à où on peut s'aventurer et comprendre que, continuellement, cet art contemporain s'amuse à chercher cette limite. Voilà. Et mais c'est cette émission de signes, cette réception des signes qui rapproche de l'écriture et de l'écrivain, l'animal. Oui. Si Dieu veut, on me dirait, qu'est-ce que c'est pour vous qu'un animal? Je répondrais, c'est l'être aux aguets. C'est un être fondamentalement aux aguets. Mais comme l'écrivain? Et l'écrivain, ben l'écrivain, oui, il est aux aguets. Le philosophe, il est aux aguets. Évidemment, on est aux aguets. Pour moi, l'animal, c'est, tu vois les oreilles d'un animal. Mais il fait rien sans être aux aguets. On ne laisse jamais tranquille. Hein. On ne laisse jamais tranquille un animal. Il mange, il doit surveiller ce qui lui arrive dans le dos, si quelque chose lui arrive dans le dos, ce qui lui arrive à côté, etc. C'est terrible, cette existence aux aguets. C'est... Voilà, un peu plus loin, il reviendra sur cette idée qu'un artiste ou la culture... On va passer à C. Alors oui. C, c'est vaste. C'est quoi? C'est hebdomadairement voir un grand film ou voir une exposition de peinture. Alors, t'es pas érudit, t'es pas cultivé, t'as aucune admiration pour les gens cultivés, comme tu viens de le dire. Alors, à quoi ça correspond, cette pratique, cet effort? C'est du plaisir? Je pense, non. Oui, bien sûr, c'est du plaisir. Enfin... Il est sur la lettre C, c'est-à-dire est-ce qu'il faut aller voir des films, aller voir des choses? À quoi ça sert, en fait, intellectuellement? Ce n'est pas toujours du plaisir. Mais je pense à l'investissement de être aux aguets. Ben, je ne crois pas à la culture, certaines manières, mais ce que je crois, c'est aux rencontres. Et les rencontres, ça ne se fait pas avec des gens.
Les gens, ils croient toujours que c'est avec des gens que ça se fait des rencontres, si bien que c'est terrible. Là, ça fait partie de la culture, les intellectuels qui se rencontrent entre eux, cette saleté de colloques, tout ça, toutes ces, enfin, cette infamie. Mais les rencontres, ça se fait pas avec les gens, ça se fait avec des choses, quoi. Ça se fait avec des œuvres. Je rencontre un tableau, oui, ça. Je rencontre un air de musique, je rencontre une musique, ça, oui. Je comprends ce que ça veut dire, une rencontre. Quand les gens ils veulent y joindre en plus une rencontre avec eux-mêmes, avec les gens, là, ça ne va plus du tout. C'est pas de la rencontre, ça. C'est pour ça que les rencontres sont tellement, tellement décevantes. C'est toujours des catastrophes, les rencontres avec les gens. Mais moi, comme tu dis, quand je vais le samedi, le dimanche, au cinéma, etc., je suis pas sûr de faire une rencontre. Mais je pars un peu, je suis aux aguets pour... Est-ce qu'il n'y a pas matière à rencontre, un tableau, un film? Alors c'est formidable, c'est... Je prends un exemple, parce que pour moi, dès qu'on fait quelque chose, il s'agit d'en sortir. Il s'agit à la fois d'y rester et d'en sortir. Alors, rester dans la philosophie, c'est aussi comment sortir de la philosophie. Mais sortir de la philosophie, ça ne veut pas dire faire autre chose. C'est pour ça qu'il faut sortir en restant dedans. Vous allez me dire, j'ai rien compris, mais quel programme ? Je vais vous dire ça pour le moment, restons-en là. Prenons un exemple simple. Le Congo. Si on prend un intérêt pour l'Afrique ancienne, vous allez vous retrouver avec des livres qui vont recouvrir des périodes immenses sur un territoire qui est lui-même immense. Qui est parcouru en 1884, on l'oublie, les empires coloniaux intègrent encore l'Allemagne, la Belgique, le Portugal, l'Espagne. On oublie aussi que sur les statuettes qui nous semblent fascinantes visuellement, par exemple dans cette petite statuette du Congo du 19e siècle, les clous de tapissier, ils sont fabriqués en Europe, ils symbolisent la variole. Et maladie endémique en Afrique jusqu'au XXe siècle. Voilà, ce qui a l'air d'un ornement est en train de nous révéler qu'il est quelque chose d'étranger et que c'est quelque chose d'étranger est venu et ben on l'a intégré dans la sculpture. Mais il va s'agir de trouver ce qui vient créer la rupture, voilà, le découpage colonial, le fait qu'il y ait aussi de l'art chrétien, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une... deux cultures qui s'entrechoquent, il peut y avoir une création d'autre chose. C'est 1931, les objets africains collectionnés dans les Dogons. Et dans les années 50, avec cette idée d'une collection à vocation universaliste, c'est-à-dire c'est là où il y a encore cette idée que l'Europe va rassembler toutes les merveilles du monde selon un critère qu'elle a décidé. C'est bien ça la question du territoire. Il ne s'agit pas d'en sortir quand on veut l'englober en totalité. Et on arrive à ma période, c'est-à-dire que c'est seulement en 1988 que le critique italien Achille Bonito Oliva va exposer Fatih Hassan à la Biennale de Venise, premier artiste africain à cette biennale, qui va devenir artiste africain le plus connu, 1988. Et on enchaîne après avec l'exposition Magicien de la Terre, que vous avez peut-être vu, qui était à la fois à Pompidou, à la Halle de la Villette, avec des œuvres d'artistes contemporains africains, vivants, c'est comme ça qu'on mettrait contemporains, même s'il y a par exemple des aborigènes qui donc sont dans une case compliquée puisqu'ils sont à la fois d'une pratique très très ancienne reproduite, qu'il n'y a pas d'idée de création nouvelle justement, il y a plutôt une de reproduction. C'est pour ça que la critique qui a été faite de cette exposition Magicien de la Terre de Pompidou, c'est un certain primitivisme exotique, c'est-à-dire une façon à la fois de montrer quelque chose qu'on ne connaît pas ou peu et l'admirer, et à la fois en le mettant dans une case, tiens, là pour une fois un jeu de mots qui est bien parlant, en limitant à la case, on a une façon de réduire... tout un ensemble, et aussi en le mettant toutes les cases ensemble, de ne pas aller plus loin que cette découverte esthétique. Alors, je prends le Congo parce que j'en avais parlé déjà, c'était au bord de l'eau. Ça a participé à des mouvements esclavagistes qui ont été vers l'Amérique.
Et en allant vers l'Amérique, ça a rencontré d'autres pratiques, d'autres peuples, notamment la guitare espagnole, puisque en revenant dans l'autre sens, dans les années 40, va s'inventer, j'en ai déjà parlé, donc je vais aller plus vite, la rumba, qui permet la plupart du temps dans les ports Liverpool, Hambourg, pour les Beatles, la rumba congolaise dans les années 40, c'est-à-dire dans les ports, ben, il y a des tourne-disques, il y a des marins, il y a du bouzouki dans la rumba congolaise, il y a cette merveille qu'est le likembe, c'est une sorte de xylophone de poche, je ne sais pas si on peut dire xylophone, pardon pour les musiciens qui le regardent et qui m'écoutent, et surtout, on avait déjà révisé ça, mais la guitare qui vient d'Espagne et bouzouki de Grèce, qui est allée en Amérique vers Cuba, et qui est revenu vers le Congo, va faire un creuset de mélange pour fabriquer cette rumba congolaise qui se développe dans les années 40, la 48 chez Fénion, avec le Grand Calais, qui va coller avec le développement de l'indépendance congolaise. Et je vous avais déjà dit, c'est comme ça que vous allez, j'espère, aimer la rumba, c'est que c'est une guitare qui est jouée avec les doigts, qui fait des espèces de rythmiques qui décomposent chaque note, je ne sais pas comment le dire autrement, et il suffit de 3 mesures pour l'entendre. Voilà, c'est à Brazzaville, ce mélange de musique d'un mélangé, dans les plus anciens tubes de 48, Wendo Colosseuil. Voilà, le développement de cette vie d'enrichissement, de modernité qui arrive en 48 dans ces bars de quartier, dans ces studios d'enregistrement. Et c'est là où c'est très passionnant, puisque c'est les compétences du colonisateur belge qui apporte ces moyens techniques. Ces moyens techniques sont récupérés par ces musiciens. Et petit à petit, se crée avec des éditeurs belges et des Grecs comment dire, des productions de disques qui font qu'on va pouvoir diffuser énormément de cette musique qui va être achetée par tout le monde et qui va passer à la radio. Donc, on a toute une sorte d'historique qui est peu développée, hein. J'ai beaucoup de mal à trouver des infos sur ça. Voilà, c'est aussi par l'objet qu'on diffuse une culture, par l'achat et puis par la diffusion de la marchandise. Voilà, je vais y arriver. Le système de marchandise aide la culture à se développer. Et surtout, Warhol nous l'a appris dans des domaines où on s'y attendrait pas forcément. Voilà, les African Jazz et le Grand Calais, qui est le vrai empereur, c'est le cas de le dire, de cette rumba congolaise de 54. Ambiance. Ambiance. Vous avez noté le... Voilà, Papa Noël, Manu Dibango qui va être un des grands. Il n'est pas congolais, mais il va monter une boîte au Congo puisque c'est l'endroit où ça se diffuse beaucoup. Il va être un de ceux qui va faire connaître cette musique partout dans le monde. Et Taburo Choro, qui est à droite, qui va être un de ces promoteurs très puissants dans bientôt le Zaïre. Mais ce qui m'intéresse, c'est que, par exemple, et ça va questionner notre regard, parce que ce que vous allez voir est très beau, mais ce que vous allez voir est aussi à regarder avec du recul. On a découvert la photo africaine, c'est la photo du studio en noir et blanc révélé en Occident dans les années 90. Parce que ces images-là, je vais en montrer beaucoup, ce sont des studios notamment au Congo, mais au Mali également, des photographes ambulants qui, pour les gens qui sont jeunes mariés, pour des mecs qui sont quand même la classe absolue, que ce soit le pas de danse ou le petit air un peu désinvolte. Qu'est-ce que j'ai lu? C'est effortless, le truc sans effort, c'est l'élégance française, mais à mon avis, les Congolais peuvent nous en montrer aussi. Cette image qui vient des moyens techniques du studio, en fait, c'est un fond uni
en extérieur, oui, avec, comme un tissu. C'est une merveille de puissance et de mignonneté, celle-ci spécialement, de Keïta. Des portraits qui donnent une force incroyable au modèle, puisqu'on n'a pas de couleur, on a un fond simple, on a un cadrage toujours à peu près le même, puisque les conditions de lumière et d'image sont systématiques, on va dire. Et ce n'est pas un porteur de chemise à pois qui va vous dire qu'en effet, le tissu participe du graphisme de l'image, mais ce que, voilà, pour le travail de Keïta, il fait de la photo de 1949 dans sa cour en studio, et puis après de 62 à 77, photographe de la Sûreté nationale. Et c'est seulement en 93 qu'il sera montré à Rouen, en Normandie. Donc on a en plus un problème de datation, c'est-à-dire il travaille depuis 60 et on le voit qu'en 90. Et puis il est exposé par François Huguier aux Rencontres internationales de la photographie d'art. Là, hein, ça va cartonner. En 94, à la Fondation Cartier. C'est pour ça que vous vous dites, qu'est-ce qu'il fout au Congo dans les années 40? Il remonte dans le temps pour qu'on comprenne que le temps que quelque chose arrive, le temps qu'un regard change sur une pratique, eh ben, on a changé d'optique. Mais c'est là où je veux en venir aussi, c'est que c'est pas seulement, j'aurais pu juste dire, découvrons cette photo, par exemple, de Kouyaté, pas que de Keïta. Mais ce que rappelle Vincent Godeau dans le petit article de Libération qui est ici, c'est que cette photo, donc le questionne Libé, que tout le monde a en tête, c'est la tradition du portrait de studio en noir et blanc révélée, entre guillemets, par l'Occident dans les années 90. Question contemporaine, en quoi cela a-t-il conditionné la perception de la photographie africaine dans le monde et sur le continent? C'est-à-dire que ce que vous venez de voir, si vous l'avez déjà vu, vous dites, ça, c'est de la photo africaine. Et on pourrait fabriquer, vous et moi, un petit studio pour faire style photo africaine. Et c'est là où on est dans le contemporain. C'est-à-dire que notre façon de regarder l'image est conditionnée par plein de choses, par une sorte de culture, vocabulaire, grammaire, qui est en amont de notre façon de regarder. Réponse de Godeau, cette photographie de studio a donné une identité forte à la photographie africaine. Il y a un double jeu, c'est-à-dire que ça va l'aider à être connu et en même temps, ça va aussi la contraindre. La manière, un brin romanesque dont s'est déroulée cette redécouverte avec André Manien, le galériste qui a révélé la scène contemporaine africaine à Paris. C'est-à-dire, il dit, ouais, j'ai découvert un truc extraordinaire, j'ai de l'exclusivité. Voilà, ça ajoute à la magie de la découverte. Il ne faut pas croire qu'on s'est trompé sur les portraitistes. Il y en a beaucoup, dit Godeau. Et je montre, ne serait-ce que Keïta, à la fois... C'est ça la question qui est redoutable, qui est à la limite de ma compétence. Est-ce que c'est beau parce que c'est passé? Est-ce que c'est beau parce qu'ils sont jeunes? Est-ce que c'est beau parce que c'est des rockers, que c'est des mecs qui se fringuent et qu'on se reconnaît, quelle que soit sa couleur, son pays de naissance, sa culture, comme on se fringue un peu pour aller draguer, pour faire le malin, pour se rencontrer, pour quelque chose d'un peu inoubliable, même si le monsieur à gauche, il est un peu guindé. Est-ce que c'est beau par une raison d'étrangeté du passé, du temps ou du pays? Est-ce que c'est beau parce qu'on y voit quelque chose qu'on ne connaît pas, quand on est, comme moi, un petit blanc de l'Essonne? Il y a de ça, sans doute, mais il y a aussi quelque chose qui... parce qu'il y a un effet d'étrangeté, en fait. Je suis frère humain et en même temps différent. Et puis en plus, ce sont là j'en ai pris un particulièrement, on est dans les années 59-60, hein. Le gamin il a une tête trop mignonne, voilà. Est-ce que ça suffit pour valoriser une œuvre d'art? Non. Et donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce qui était une pratique dans la vie de tous les jours, voilà, des gens qui viennent se faire prendre en photo, Keïta en garde une copie, et puis Manien redécouvre ces images. Et en les montrant dans un autre contexte, grande exposition d'Arles, le temple de la photographie, change notre façon de les regarder. D'où ce dont on a parlé tout le temps, dispositif, façon de montrer, façon d'expliquer. Et avec la difficulté que dans un autre pays, à côté, à une autre époque, vous rappelez d'Henri Vallesi, juste avant, algérien, pas au bon endroit, pas au bon moment pour être reconnu. Notre quête va peut-être même pas être toujours une question d'image nouvelle, elle va être aussi des cycles
qui font qu'on va redécouvrir des images, des photographes, des talents. Alors, il a aussi, on pourrait le comparer à Nadar, c'est-à-dire, il n'y a quand même pas grand-chose, hein, il y a juste du noir, du blanc, une lumière collée, mais il y a une variété de cadrage, il y a une façon, voilà, les gamins, quand ils sont en pied, ça donne un côté, on voit qu'ils sont petits, et on voit le côté à la fois un peu enfantin de leur ventre en avant et un peu ridicule, mignon de vouloir se tenir bien pour un peu poser. Tout comme quand on est jeune et qu'on veut avoir l'air un peu posé. Donc, il y a quelque chose dans la façon de cadrer qui est fine de Keïta, qui est subtile, qui donne quelque chose qui n'est pas juste une photo banale. Voilà, on est un peu du dessus et donc il y a quelque chose d'une connivence en fait qui se crée avec le photographe. Alors, question redoutable de Libé pour finir sur cette photo africaine. Vous distinguez plusieurs Afriques, Vincent Godot, avec chacune des spécificités, donc anglophone, francophone, lusophone, arabophone. Ah, voilà, donc il y aurait une entrée par la zone d'influence, en fait, par le colonisateur aurait emporté aussi des modèles culturels qui auraient changé la façon de pratiquer. Bonne piste et bonne façon d'essayer de guérir de quelque chose qui a encore besoin beaucoup d'être regardé, ce rapport de colonisateur. Concernant la photo d'Afrique du Nord, bonne question, est-il légitime de le rattacher au continent ou plutôt de le rapprocher de la photographie arabe? Ah, est-ce qu'on met dans l'Afrique les pays au-dessus du Sahara et en dessous? Question judicieuse, cette distinction est avant tout géographique, mais c'est presque une vérité de la palisse, un héritage de la colonisation. En même temps, cela va à l'encontre du discours officiel véhiculé par des experts occidentaux ou africains pour lesquels il n'a pas lieu de prendre en compte la nationalité d'un artiste. Est-ce qu'il y aurait une photo africaine? Non. Est-ce qu'il y aurait une photo venant d'Afrique? On peut peut-être dire ça, faute d'en savoir plus. Je ne vais pas me lancer à être un faux expert, mais en tout cas, poser la question, c'est déjà une façon d'y réfléchir. La proximité de l'Europe joue pourtant un rôle dans l'essor de la photographie marocaine, par exemple. On n'aurait pas l'idée de mettre ensemble des Suédois, des Espagnols, des Auvergnats et dire que tout le monde est du même pays, évidemment. Quand on est européen, on sait qu'il y a une différence, mais on sait très bien aussi qu'on est Auvergnat, Suisse, Espagnol facilement. On a tellement bougé et on s'est tellement mélangé. Et donc, qu'une pratique qui serait désignée depuis l'endroit d'où tu viens, c'est compliqué. Et pourtant, celui qui regarde va avoir tendance à plaquer ça. Voilà ce que cette découverte d'autre chose, sortie du territoire, va nous aider à faire. Photographie du Maghreb fait partie sans aucun doute du monde arabe, mais seulement si l'on en considère les thèmes. Travail de l'Algérien Omar Day sur les populations de Berbérie, Biography of Disappearance, entre dans ce champ. A contrario, les pays d'Afrique centrale se montrent moins réceptifs à cet Occident photographique qu'à la production sud-africaine. Il y a une influence plutôt du sud de l'Afrique sur cette photo-là. Voilà des pistes de travail qui sont passionnantes. Cette modernité, elle est arrivée en Afrique avec les indépendances qu'on a vues rapidement, voilà, du Congo, qui nous donne à la fois Patrice Lumumba en train de dire des choses remarquablement brillantes et juste après, voilà, accompagné par... Indépendance, cha-cha. C'est quand même un truc de fou, cha-cha de l'indépendance. On a chanté à la Révolution française en France, mais il y a longtemps qu'on n'a pas associé des musiques et des changements politiques. Et ce même Lumumba arrêté, disparu en 60, avant d'être remplacé par ce monsieur Mobutu, qui alors a l'air bien copain avec Reagan à droite, Nixon ensuite, ou Valéry Giscard d'Estaing. Il va même lui faire payer sa place, dit dedans. C'était pas raisonnable. Intéressant personnage parce que j'en ai déjà parlé un peu. Il va à la fois dictateur, persécution, mais aussi valorisation de l'africanité, c'est-à-dire d'un Zaïre. Voilà, si vous avez l'occasion de voir Mobutu, roi du Zaïre de Thierry Michel, mais aussi le Lumumba de Raoul Peck, c'est quand même très, très fort. Voilà, par la musique avec Rochereau qui va devenir Taboulé. Et qui va revendiquer cette africanité. Donc, sous une dictature, la musique, la danse, à l'Expo 67 du Canada, James Brown est très impressionné par Rochereau et ses rocherettes, une sorte de girls qui dansent, et il va tout à fait piquer l'idée.
Le voici à l'Olympia dans les années 70. Dans ce Zaïre de 74, on a, avec l'argent de la dictature, quelque chose d'impressionnant, des artistes qui jouent un Woodstock africain et un combat incroyablement important d'un noir américain qui cherche, dans ces années 70, à penser autrement d'où il vient. J'ai montré aussi, si vous voulez, je n'ai plus le temps, mais quand même, le Jimi Hendrix du Congo, les gars, c'est quand même Abeti Masikini. Hein. J'ai montré sa guitare verte, c'est un truc de fou. Il faut que vous en entendiez, c'est M. Bernard qui est fan de guitare. Je crois qu'on a compris à peu près le principe du gars. Voilà, ce mélange de fascination, de rapport à l'Occident, de refus, va être continuellement une question, en fait, et donc une façon difficile de regarder les images. J'en ai pris un autre exemple qui est trop mignon et qui vient absolument des années 80, c'est que cette musique congolaise va nous donner... pour des questions de migraine ophtalmique, je ne peux pas vous montrer trop de pochettes de disques congolais, c'est des merveilles. Ils ne font pas semblant. D'ailleurs, j'ai pris cette petite chanson, alors rien que le titre va vous aider à comprendre. Vous avez bien entendu, l'argent appelle l'argent. Voilà une sorte de qu'est-ce que je peux dire, c'est même pas pour faire une blague, c'est une sorte de pop art saturé, c'est-à-dire l'argent appelle l'argent, et donc le l'Empire Bakuba va se retrouver le groupe avec ce talentueux chanteur obèse et son copain nain. Les fringues surjouent cette mode. On est dans les années 80, cette mode qui vient à la fois du glamour rock qu'on avait vu avec Bowie, du hard rock avec tous ces éléments cloutés. Mais en même temps, avec Papa Wemba, c'est à la fois ce désir d'être connu, ce désir d'être célèbre, qui va nous donner une musique qui, pour ceux qui aiment ça, de la soupe, un truc tout à fait commercial. J'ai pas du tout la capacité de le mesurer, parce que la carrière de Papa Wemba, elle est très, très importante sur toute cette période des années 60 à 80, et 90 même. Mais ce qui m'intéresse, c'est ses fringues. C'est que, voilà, si vous avez l'occasion, lui, il s'appelle Balogi, il est passé au plan il y a 2 ans, c'était un génie. Soyons simples. Voilà, ce que fait Papa Wemba, c'est à la fois... on peut le voir plus vite. Voilà les débuts 69, avec en duo avec Omega en 73. En 75, la danse. Voilà la création de son label en 77, Viva la Musica. J'ai oublié de dire des millions de disques vendus, hein, c'est-à-dire quelque chose qui vous est peut-être étranger et qui peut-être peut ne pas vous plaire, mais sous les radars de l'histoire de la musique, hein, sous les radars, et on va y venir, de l'histoire de la mode. Et quand les sapeurs auxquels je fais allusion et sur lesquels je vais arriver, voilà, ils passent à la télé dans les années 80 chez De Chavannes comme une sorte de petit truc exotique nouveau, quoi.
Voilà, la SAP en question, on va voir un extrait, Société des ambianceurs et des personnes élégantes, SAP, avec le jeu de mots que ça suppose. Et ça m'intéresse d'en parler pour une raison simple. Nous allons voir des hommes qui, pour qui l'élégance n'est pas un petit mot, mais pas un petit mot, hein, c'est-à-dire qui surjoue cette élégance. Je vais en montrer des images, mais qui, par ce jeu-là, questionnent les marques, l'argent investi, puisqu'ils mettent tout leur salaire dedans et ils meurent de faim, pour copier ou pour mimer ou pour, par bouffonnerie, moquer ce goût de l'Occident. Et à l'intérieur de cette SAP qui est passée pour, encore aujourd'hui, on parle des sapeurs congolais, qui est passée pour une espèce de spécialité, parce que les Congolais ont une, semble-t-il, une originalité et de très bonnes bières quand même, il ne faut pas se mentir, dans la façon de se montrer, dans la façon d'exagérer, de surjouer. Là, les pochettes de disques que j'ai montrées suffisaient à le voir. Mais aussi quelque chose que je ne comprends toujours pas, puisque vous connaissez un Congolais merveilleux, il s'appelle Alain Mabankou, et c'est un auteur, et qui est fringué voilà, d'une façon toujours différente, toujours soignée, avec des couleurs de fou. J'ai toujours encore du mal, malgré son dictionnaire africain, qui est une petite merveille, à comprendre si la SAP est de l'ironie. Et c'est là où je le compare à Warhol, si c'est une façon de se moquer de ce goût de la fringue, tellement la pose est importante, ou si c'est une adhésion sincère. Et je crois que, comme pour Warhol, c'est impossible à déterminer. Papa Wamba va s'associer, récupérer un peu le mouvement en mettant de la musique sur ça. Voilà, la SAP, c'est dans des quartiers complètement pauvres, des gens fringués d'une façon incroyable. Alors, il y a la pose qui est importante, c'est la chaussette, c'est-à-dire la chaussette est colorée, il ne s'agit pas de la cacher, il s'agit de la montrer. Donc, on va avoir des façons de marcher, des façons de se déhancher. Il y en a vraiment pour une fortune dans ce qu'il montre. Et l'extrait que je voulais montrer, parce que là aussi, on est dans un paradoxe, c'est que à quel endroit on voit cette SAP en France pour la première fois, dans un film qui est à la fois presque une bouffonnerie rigolote avec Isaac de Bancolet qui s'appelle Black Micmac de Thomas Gilou, et donc à la fois quelque chose que moi j'ai vu longtemps comme une façon de se moquer un peu des Congolais. Mais ici, dans le défilé, on est en pleine boîte de nuit congolaise, et Isaac de Bancolet est un peu un niais qui vient de province et que ses cousines emportent dans des boîtes de nuit pour un peu le... Il est à gauche... pour un peu le déniaiser, et qui commence à s'intéresser à être branchouille. Et donc, on est au cœur du film où on voit un concours de sapeurs. Ce soir, comme chaque mois, nous allons procéder à l'élection de l'homme le plus élégant. Le premier candidat que certains d'entre vous ont déjà pu remarquer, Dr Liman. C'est non seulement un sapeur, mais c'est aussi un grand danseur, un grand chanteur, un grand mannequin, et tout, et tout, et tout. Il me semble que dans le tout, et tout, et tout, il y a toujours un surjeu et un peu d'ironie. Police d'État, bravo docteur. Mais au fait, pourquoi vous appelle-t-on docteur? Est-ce que vous soignez les malades? Je ne soigne pas les malades, je ne suis pas tout vive. Je m'appelle tout simplement docteur Liman parce que je soigne bien ma présentation. Non, ton cousin, là, il aurait besoin d'une consultation. Hein. Dites-moi, est-ce que ça représente beaucoup d'argent, ce que vous portez ce soir? Énormément. La tunique que j'ai vient de chez Azaro. La chaussure Weston sur mesure. Le reste va avec, mais le public appréciera. Bravo, docteur. Voilà, la SAP, c'est... des milliers d'euros sur soi, un jeu qui pourrait paraître comique quand on est extérieur, qui font que, alors il y a une sapeuse, normalement, ça a longtemps été pas le cas. Vous voyez, la posture de la jambe permet la chaussette. On est quand même
Si vous allez un peu vite et que j'ai perdu le fil, je vous ai perdu en route, vous pouvez penser que c'est un exotisme, justement. C'est là où je voulais en venir. Il s'agit de surjouer, en fait, l'exotisme qu'on attend d'un Congolais et en l'exagérant, le retourner. Il me semble bien que ce soit quelque chose de cet ordre-là. Voilà, l'émission, le passage des sapeurs Place Vendôme dans un clip avec... c'est la limite de mon intérêt pour le sapeur. Il porte du Gianfranco Ferré, vous savez, des grandes vestes croisées à épaulettes immenses. Et il y a un moment donné, on déconne avec la fringue, mais il faut quand même faut se calmer. Voilà, ce jeu de décalage... Je voudrais le retrouver dans un dernier morceau avec cette dame. Il me semble que cette sortie de territoire, elle fait la même. Et alors qu'elle est japonaise, les rapprochements sont parlants, vous allez comprendre pourquoi. Sous-titre un peu nul. Yayoi Kusama naît à Matsumoto au Japon en 1929. Elle aime les poils et dessine dès l'âge de 10 ans. Elle crée dans l'urgence de peur de voir sa mère jeter son travail. Yayoi va quand même étudier l'art, mais sa mère l'envoie fréquemment espionner son père, qu'elle surprend à de nombreuses reprises en plein adultère. I think that experience of having to be pressured to, you know, spy, it was a traumatic experience, and so she built up this fear of sex. Yayoi vit également une expérience traumatique dans les champs de ses parents cultivateurs. Elle a l'impression de disparaître dans les fleurs, une expérience qu'elle n'aura de cesse de chercher à recréer. En 1958, c'est grâce à l'artiste américaine Georgia O'Keeffe qu'elle se décide à déménager aux États-Unis. Georgia O'Keeffe, qui est la compagne de Stieglitz, j'en ai parlé un tout petit peu, qui reçoit une lettre de Kusama, qui est adolescente, qui est au Japon, qui dit « j'admire ce que vous faites ». Elle a obtenu des images et est complètement fou. Complètement, voilà, ce rapport d'étrangeté fonctionne à plein ici. O'Keeffe lui dit, mais c'est très bien ce que vous faites, elle a 12 ans, 11 ans, 12 ans. Et elle lui dit, venez. Et elle ne l'accueille pas forcément, elle trouve une bourse pour pouvoir venir, mais cet encouragement va suffire à faire levier. Et là où je veux en venir en montrant cet extrait de Culture Prime, qui était un résumé en 2 minutes du travail de Kusama, c'est qu'elle va être connue avant de faire ses poids complètement fous, une espèce de quête invraisemblable. Elle va travailler aux États-Unis et je ferai une comparaison, elles sont japonaises toutes les deux avec Yoko Ono, pas être appréciée, elle va avoir un mal fou et malgré la pertinence de ce qu'elle fait, cette étrangeté va rester un exotisme jusqu'au bout qui la fera revenir au Japon à la moitié de ce documentaire. Mais les galeries refusent de l'exposer. Elle n'est pas prise au sérieux car elle a un double handicap, être une femme et de surcroît japonaise. En 1958, son œuvre Pacific Ocean est le point de départ de son travail sur l'infini. À cette époque, on lui diagnostique une névrose obsessionnelle compulsive. Lorsqu'une idée lui vient en tête, elle ne peut plus s'en défaire. C'est le principe d'être artiste. Hein. Pour tous ceux qui auraient une petite névrose obsessionnelle compulsive, rassurez-vous. On vous aime, nous, quand on fait de l'art. On va même gagner peut-être de l'argent grâce à vous. Soyez sereins. En 1963, elle expose sa première installation. Il s'agit d'une barque et de ses rames submergées par une multitude de sculptures molles en forme de sexe masculin. L'art a un pouvoir thérapeutique pour Yayoi. Si les phallus l'effraient, elle les reproduit par milliers pour mieux se débarrasser de ce sentiment d'effroi. En 1966, elle est la première artiste à créer une pièce recouverte de miroirs où elle représente l'univers infini. La même année, elle installe illégalement 1500 boules miroirs devant le pavillon de l'Italie à la Biennale de Venise et met en vente son œuvre au prix d'un hot dog pour désacraliser son art. Désacraliser, mais aussi intervenir à l'endroit où on ne l'invite pas. Et je reviens, vous pourriez me dire, peut-être elle n'est pas talentueuse, peut-être elle n'a pas eu la bonne opportunité au bon moment, c'est tout à fait une hypothèse recevable, mais je fais l'hypothèse en faisant ces liens aujourd'hui que l'effet d'étrangeté, quand il est trop fort, quand ça nous fait sortir de notre territoire, on a du mal, il y a un frein. Et ce que Kusama montre par ce système obsessionnel, c'est qu'il y a possibilité de se travailler soi-même par...
par les images qu'on regarde. Yayoi sait faire parler d'elle dans les médias. Elle se couvre de poids pendant des happenings qu'elle organise et se sert de la nudité pour dénoncer la guerre du Vietnam. Mais plus elle s'engage, et moins elle est prise au sérieux. Elle décide donc de rentrer au Japon en 1973. Rejetée également dans son propre pays, Yayoi sombre dans la dépression. Il faut attendre une rétrospective new-yorkaise en 1989 pour la voir réhabilitée. 1989, l'année des magiciens de la Terre. Cet intérêt pour d'autres formes que celles occidentales, on va dire, était passé et regardé comme une étrangeté exotique, si je reprends mon mot du début, et comme quelque chose de joli, avec sans doute de l'estime tout à fait sincère, mais pas pris au sérieux comme un contenu intellectuel, à la fois pour ce que dit Deleuze, en ce qui nous ferait être aux aguets, c'est-à-dire voir autrement ce qui est à côté de nous, et voir autrement ce que nous sommes. À partir de 1977, elle choisit de vivre dans un hôpital psychiatrique. Elle dispose juste en face d'un atelier où elle travaille tous les jours avec ses assistants. Comme une revanche sur la vie, elle est à 90 ans, l'artiste féminine contemporaine la plus populaire et la plus vendue au monde. Voilà, ce qui est toujours le cas, et elle en a 92 maintenant. Ce film, vous savez que on peut louer des documentaires en ligne. Regardez, je l'ai commenté, il est vraiment très très bien fait. Infinity. Voilà Kusama qui, à la fois, je trouve qu'il y a quelque chose à voir avec mon affaire de sapeur, c'est que elle surjoue presque cette espèce de folie, cette espèce de curiosité, d'originalité. Mais ce jeu de donner au spectateur ce qu'il attend finalement. Voilà, un artiste, c'est complètement dingo, c'est obsessionnel. Et donc, c'est capable de faire des folies. On revient à cette figure de l'artiste. Elle le surjoue au maximum. Tout comme mes sapeurs surjouent la fringue. Voilà, elle a une obsession des phallus. Effectivement, elle ne fait pas semblant d'avoir une obsession. Elle joue cette surdose. Il y a quelque chose qui est pas loin de ce que fait Nikki de Saint-Phalle sur ce rapport aux hommes et au regard masculin. Mais il y a aussi quelque chose, en un sens, plus déconnant encore. Que Nikki de Saint-Phalle, qui est pourtant pas mal dans son genre. Voilà, dans cette façon de se mettre en scène, de jouer avec cet univers. Et puis, en 66, elle va fabriquer ces environnements qui font qu'il ne s'agit plus seulement de performances éphémères, de jeux avec la même forme répétée sans fin. Elle veut fabriquer des environnements dans lesquels on peut entrer. Et par ce jeu de miroir et de disparition des repères, elle va fabriquer sur le spectateur un effet de transformation qui était montré dans une rétrospective récemment à Beaubourg aussi, et dont vous allez avoir pour votre départ en week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour 5 épisodes encore. La primeur, Infinité Mirror.